tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi cette semaine encore dans l'émission Cause pour nous. Cause pour nous, l'émission qui fait depuis des années parler des artistes de la Réunion, mais aussi des artistes d'ailleurs de l'océan Indien. On a bien entendu cette semaine encore une fois le plaisir d'avoir avec nous un artiste qui nous vient de l'île de la Réunion, qui nous vient sûrement de la capitale. En fait, je ne suis pas sûr, c'est peut-être un petit risque que je prends, mais en tout cas, je suis sûr qu'il vient de la capitale de l'île de la Réunion. Il s'appelle Meta et il est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Meta? Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Elle est là. Ah, même. Nous l'est ici même, Bassin Labou, dans une petite ambiance un peu colorée et champêtre, on va dire. Oui, aussi, bien sûr. Avec des fleurs un petit peu de partout. Ouais, merci pour l'invitation et encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être là hein, parce que, comme vous dites vous-même, hein, très honoré par le cadre, très nature et très naturel et fait plaisir en tout cas. Et si nous est là, c'est pour parler durant cette émission-là de Meta, et de l'actualité musicale de Meta, parce que là, il y a eu quelques changements ces derniers temps, là, il y a eu quelques clips, des nouvelles chansons aussi ces derniers temps. Hein. Et la dernière chanson, c'est laquelle? La dernière chanson, c'est Samy M, quand il fréquente à moins pas intérêt. Ah, c'est encore un cosmo un petit peu antérieur, ça, non? Un petit cosmo un peu... Ouais, un peu... Je dirais pas la dilafée, mais un peu... Il dénonce un peu la vérité. Ouais. Parce que m'y rend à moins compte, depuis que moi la sorte, cette chanson-là, beaucoup de gens y vivent ça, beaucoup de gens reconnaissent autres dans la chanson. Et c'est ce qui l'a permis à moi de revenir sur la scène après 2 ans de pause. D'accord. Pour des raisons familiales, on connaît, quand on est papa, on a des responsabilités, des obligations, voilà. Ouais, bien sûr. Mais surtout des responsabilités, donc c'est pour ça que ça m'a fait une petite pause, et l'ami revient avec cette nouvelle chanson, Samy M. Cette nouvelle chanson, Alain, fréquente à moins pas intérêt, tout ça, là, c'est un petit peu un morceau un petit peu engagé, on va dire, complètement différent à la première chanson qui a fait que Meta est l'artiste que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire Catherine Adoré. Hein, entre Catherine Adoré et cette chanson-là, c'est complètement, ça reste toujours dans le Séga, Ségalo, mais me dire que dans les textes lui-même, est complètement différent. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Meta l'a chanté des morceaux engagés comme ça? Alors, c'est vrai que Café Adoré, c'était un Sega Love ambiancé et que moi, la reste dans le Love. Et comme on a toujours dit, beaucoup de gens, effectivement, posent moi cette question, ils disent pourquoi on a fait ça? Parce que c'est surtout par rapport à un bon Dalo en moins et qui est quelqu'un de très généreux, très, très, très grand cœur. Et il voit dans son entourage, il a des gens, il profite un petit peu de sa gentillesse. Il dit jamais non, il connaît jamais le non, lui. Elle dit c'est que oui. Dans l'ouïe pour bataille. Dans l'ouïe pour bataille. et donc, il trouve que dans son entourage, il abuse un peu de ça. Et c'est pour ça qu'il m'a fait cette chanson, quand il fréquente en moins pas intérêt. Donc, effectivement, elle garde ce rythme ambiancé, si tu veux. Donc, ce Sega un peu ambiancé, un petit peu comme quand il a adoré. Mais là, au lieu d'écrire un texte plutôt love, elle m'a écrit plutôt ce texte-là. C'est surtout poli. Et Miran, dans ma compte, il y a beaucoup de gens, ils vivent ça, quoi, en fait. Hein. Voilà. Un texte 100% méta. Oui. 100% méta, avec un petit peu l'aide de mon petit frangin, Jaïssi, on connaît comment il est. D'où la raison de ma question. Puisque les autres deux, là, c'est un petit peu comme on disait dans une pub, ailleurs par un pas sans bâtard, c'est-à-dire que vous allez tout le temps avec. Hein. Donc, je suppose que la musique à l'arrière est une signature de Jaïssi. Oui, signature de Jaïssi, bien entendu. Hein, c'est lui qui fait les arrangements, c'est lui qui fait la musique derrière. Et donc, voilà. Donc, le texte aussi, il aide un petit peu à écrire le texte, mais je dirais 90% de ce que moi l'a écrit vient surtout de moi parce que c'était important pour moi d'appuyer sur telle phrase, donc voilà. Ouais. Nous avons l'occasion, Madame Célestin, d'aller l'autre côté là-bas, sur la scène ici même de Bassin Labou pour pouvoir interpréter cette chanson-là en live directement. En live en parce plus, que ici, vous connaissez, il ne m'aille pas, il ne raconte pas d'histoire ici. Je parle même mon piano. Voilà, parce que le piano est déjà installé de l'autre côté. Écoute, ce que nous ça fait là, ce que nous ne pas être, nous ça va un petit coup de l'autre côté là-bas parce que Julie en régie de l'autre côté et il va attendre nous quelques instants, le temps que nous déplaçons, nous un petit coup de l'autre côté là-bas. Il y en a aussi Calix, est technicien aujourd'hui et qui peut déplacer les caméras juste pour que nous n'ayons le temps d'aller faire ce morceau-là qui appelle Samy M. Les bons? Les bons. Okay. Allez, ça va. Allez, où sont mon caméra? Allez là, elle est partie. Dans la vie qu'on met là, faut faire attention, ton fréquentation.
Surtout si on a un pays bon cœur, on a des droits, mais ça rentre à où? Ou devant où? Trois fois dans l'année, pour savoir son tête, puis ça débarque. Quand il est dans le besoin, il connaît un moins. Mais quand il fait festin, il connaît plus moins. Mais quand ça l'a fait, quand ça l'arrivé, son rôti me verrote à moins. Mais quand ça l'a fait, quand ça l'arrivé, peut-être tout la rêve à moins. Mais quand ça l'a fait, quand ça l'arrivé, son rôti me verrote à moins. Même si demain, il connaît plus, ça oublie à moins. Ça m'y aime. Quand il fréquente à moi, par intérêt, par intérêt. Ça m'y aime, quand il fréquente à moi, par intérêt, par intérêt. Hey, ça m'y aime, quand il fréquente à moi, par intérêt, par intérêt. Ça m'y aime, quand il fréquente à moi, par intérêt. Quand on a bon cœur, ou de l'entourage, il devient profiter. Ah oui, ça l'est vrai. Quand on est trop bon, ou l'est trop couillon, ou l'est trop couillon. Quand on l'a trop donné, à un moment donné, faut arrêter déconner. L'année l'a changé, camarade comme ça, mais ça l'a gagné, mais ça bloqué. Mais quand ça l'a fait, quand ça l'arrivé, son rôti ouvert dans moi. Mais quand ça l'a fait, quand ça l'arrivé, peut-être tout la rêve à moi. Mais quand ça l'a fait, quand ça l'arrivé, son rôti ouvert dans moi. Même si demain, il connaît bien, ça oublie à moi. Ouais, ça m'y aime. Quand il fréquente à moi, par intérêt, ça m'y aime. Quand il fréquente à moi, par intérêt, ça m'y aime. Quand il fréquente à moi, par intérêt, hey, ça m'y aime. Quand il fréquente à moi, par intérêt. Par intérêt, ça m'y aime, quand il fréquente à moi. Par intérêt, ça m'y aime, quand il fréquente à moi. Par intérêt, par intérêt. Ben nous revoilà, nous les toujours ici même Bassin Labou dans l'émission Cause pour nous avec Meta qui vient de faire à nous le plaisir d'interpréter en live directement ici avec ses petites imperfections, mais comme nous les dans du live, oui. Hein, et ben il passe comme une lettre à la poste. Oui. Hein, c'est pour ça que derrière nous les jeunes, hein, ma vie. Hein, Julie Soumontin dit un grand plan, voilà un grand plan. Les jeunes, mais c'était qu'une plaisanterie, bien sûr, Meta. Juste pour faire la transition entre les imperfections, c'est-à-dire que lorsqu'on chante sur une scène comme ça improvisée, comme ça, et qu'on chante en studio, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est vraiment deux façons de chanter complètement différentes. Ah, bien sûr, parce que là, c'est un live, au moins, c'est comme un direct. C'est comme un direct, il y a toujours des petits imprévus, mais ça fait partie du direct, ça fait partie du live. Et les petites imperfections, ben, il fait partie du truc. Quoi. Donc, voilà. Bien au contraire, c'est les petits trucs qui pimentent un petit peu le live, mais trouve moi. Voilà, l'imperfection, aujourd'hui, c'était moi parce que le morceau, je ne connaissais pas du tout. Et m'a fait le morceau écoute directement en live. Hein, voilà. C'est-à-dire que écoute et m'y fait les notes en même temps. Voilà. D'autres morceaux comme ça qu'on a interprété, qu'on a écrit hein, durant ces deux dernières années, parce qu'on va dire ça, ces deux dernières années. Deux là. Dernières années, oui. Voilà. Hein, avec bon, donc ce morceau que là, nous vient écouter là, puis notre morceau encore. Oui, ben la chanson La Réalisée. Donc ça avec Catherine Adoré, moi elle a fait, ben on connaît, mais il fait beaucoup de prestations privées, hein, donc mis ça dans les festins des gens qui invitent à moi, donc mis ça chanter, et notamment beaucoup de mariages. Et il fallait impérativement que moi trouve une chanson pour ces mariés-là, parce qu'on a beaucoup de nouveaux mariés qui appellent à moi pour y chanter, enfin, du moins la famille, hein, les témoins, la famille, tout ça. Et était
t'es important pour moi, Marc, un coup le coup, il fait quelque chose pour Banna. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit cette chanson, l'a réalisé. L'a réalisé. Voilà. Donc, un morceau mariage, comme il dit. Un morceau mais pour mariage, voilà, pour pas, les mariés. Vous n'avez pas peur, quelque part, parce que des chansons de mariage, n'est pas qu'il, hein. Et tous les ans, on a encore d'autres personnes qui sortent encore des morceaux de mariage, hein. Parce que nous connaissons bien une des chansons de mariage qui l'a traversé les époques, c'était une chanson de Robbie. Oui, hein? Exact. Est-ce que vous rappelez de cette chanson-là? Ça, c'est cette chanson qui a fait tous les mariages. Mais on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce qu'il y a quand même un certain temps. Et aujourd'hui, pas mal de gens refait des chansons mariage comme ça. Oui. Refaire une chanson avec un titre de mariage, avec une ambiance de mariage pour des soirées mariage, n'était pas un petit peu risqué? Alors, c'est pour ça, le titre, c'est La Réaliser. Donc, pour moi, un mariage, c'est comme un rêve. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de petites filles, hein, ils en ont un rêve, et c'est un jour de se marier, tout ça, et même les petits garçons, plus tard, ils disent, j'aimerais bien un jour marier, vivre ça. Donc c'est pour ça qu'on va mettre La Réaliser. C'est comme un rêve qui devient réalité. Hein. Ouais, c'est un moment important, c'est un moment magique, c'est un moment extraordinaire, même moins comme ils chantent cette chanson-là dans les mariages. L'émotion que Néna, et moi, m'y partage l'émotion avec les nouveaux mariés, l'énorme, où vivent un moment incroyable, mais c'est intense en émotion. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment un rêve qu'elle est devenue réalité. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle, il l'a réalisé. Elle est arrivée comment, cette chanson-là? Cette chanson-là, elle est arrivée un beau matin. Un beau matin où, pareil, un camarade à moi appelle à moi pour dire, moi, ben voilà... passe témoin son mariage, donc il annonce à moi en avant-première, c'est dans 6 mois, et voilà, il est content parce que son rêve est devenu réalité. Et quand il a dit à moi ça, ben, elle inspire à moi. Donc, vous avez un challenge à faire, c'est-à-dire on a 6 mois pour créer une chanson. Voilà. Donc, là, il fallait moi qu'il trouve le truc. Trouve un truc. Et donc, moi, je chante ça pour lui en avant-première, en avant-première, en exclusivité, comme on dit. Le soir du mariage. Le soir du mariage. Et c'est là où, comme elle a vu l'accueil des invités sur la chanson, l'accueil très positif. Elle m'a dit, ben là, elle est sur la route alors. Voilà. Bien entendu, à l'arrière, toujours avec Chelsea. En arrangement musical. Ouais, toujours. Ouais, l'important que l'arrangement de la musique soit en coordination ou en étroite coordination avec la chanson. Oui. Pour ça que, comme il disait tout à l'heure, les deux font la paire, c'est-à-dire que celui qui chante, celui qui interprète, celui qui écrit aussi la chanson doit vraiment être en corrélation avec la personne qui écrit et qui donc fait la musique à l'arrière. Les autres deux les pas sur la même longueur, donc il risque peut-être d'avoir des petits problèmes, des petits soucis de concordance, on va dire. Et donc là où il est avec Coup de Frère, les autres deux autres parlent le même langage, non? Oui, tout à fait. Après, nous avons quelques désaccords, mais de temps en temps, moi, il voudrait les comme ça, et lui dire, moi, ben non, les plutôt comme ça. Donc, il y a un échange constructif, pardon. Et après, au bout, on arrive sur un résultat que nous délie, nous adhère, et voilà. Mais c'est vrai que, comme moi aussi, vous y voyez, hein, dans les lives, on l'a vu, nous deux, tout à l'heure, nous la chante, moi la chante Samiem, mais moi elle était au piano ou à la basse. Donc moi, elle est aussi quelqu'un qui fait de l'arrangement et qui joue aussi du piano et de la batterie. Et donc, des fois, moi, il veut que les comme ça. Donc, des fois, nous, on a un échange, mais il reste toujours constructif. Il reste vraiment... et au final, nous, les d'accord. Et après, voilà. Quoi. D'accord. Donc, mais entre Chelsea et Meta, c'est le chanteur. Chelsea, c'est le musicien. Ou bien il pourrait... Parce que Oulé est aussi musicien. Hein, alors qu'on l'a vu tout à l'heure au piano. Mais est-ce qu'entre les autres deux, bon, on veut faire... pas fait de polémique quand Chelsea et Meta, elle n'est pas là pour ça. Mais entre les autres deux, n'a elle les chanteurs, elle les arrangeurs. En nous délit, c'est plus et l'arrangeur. Et il peut faire aussi la même chose. Oui, bien sûr. Donc c'est plus l'arrangeur. Maintenant, nous avons notre propre studio, Best Sound Production, hein, qui s'appelle Best Sound Production. Donc il est maintenant à la tête de tout ça. Donc il fait les arrangements, il fait les prises de son... Avec les instruments, les prises de son voix, le mixage, le mastering, enfin il y a tout ça. Et il me dirait plus, pour répondre à la question, l'arrangement, c'est beaucoup plus lié. Il arrive, il dit, moi, ben voilà, il voit les choses comme ça. Après, moi, il rajoute toujours une petite affaire. Il faut m'y marquer mon empreinte, quoi, comme il dit. Mais l'arrangement, c'est plus lié. Donc aujourd'hui, il y a ici vraiment, la place à lire vraiment du côté du studio, du côté de composer, d'arranger pour les autres.
Et moi, plus du côté chanteur et plutôt chant. Voilà. D'accord, alors, ok. Alors, ben, Julie, dis-moi là-bas donc que l'île est prête hein, et que ben, Calix aussi, qui est de l'autre côté. Calix, ce qu'on va faire, ouais, c'est que nous repart un petit coup de haut sur la scène de l'autre côté, la scène où le fond a été refait, la déco a été refaite à l'arrière, hein, pour retrouver un petit peu le même fond que nous l'avions depuis 10 ans, quand nous l'étions dans l'ancien studio qui était au bord de la mer, où nous avions ce fond-là, les mêmes couleurs. Ensuite, nous sommes venus toujours à Quartier Français, dans le studio actuellement de Quartier Français, avec un fond pareil. Et ici, nous voulons retrouver ce fond-là aussi, pour avoir un petit peu cette empreinte de Canal Austral, un petit peu partout sur toutes les scènes. Et bien, nous retournons là-bas, notre déo, et puis nous faisons tout de suite ce morceau qui s'appelle La Réalisée. La Réalisée, hein. Allez, ben, elle est partie. La réaliser, chérie. La réaliser, chérie. Oui, Zordi, on s'est dit oui. Pour toute la vie, pour toute la vie, notre rêve la réaliser. Aujourd'hui, nous l'est engagé. Devant bon Dieu, nous l'a dit oui pour l'éternité. Oh mon amour, aujourd'hui c'est notre jour. Ce moment-là, profitons-en, viens dans mes bras. La réaliser, chérie. La réaliser, chérie. Oui, Zordi, on s'est dit oui. Pour toute la vie, pour toute la vie. La réaliser, chérie. La réaliser, chérie. Oh, oh. Oui, Zordi, on s'est dit oui, pour toute la vie, pour toute la vie. Quand vous l'arrivez, l'âme si mon jour t'es pour couler. Moi j'avais raison, demande notre main depuis si longtemps. Oh mon amour, aujourd'hui, c'est le grand jour. Ce moment-là, profitons-en, viens dans mes bras. La réaliser, chérie. La réaliser, chérie. Oui, Zordi, on s'est dit oui. Pour toute la vie, pour toute la vie. La réaliser, chérie. La réaliser, chérie. Oh, oh, oh. Oui, Zordi, on s'est dit oui. Pour toute la vie, pour toute la vie. La réaliser. La réaliser, chérie. Oh, oui, Zordi, on s'est dit oui. Pour toute la vie, oui, pour toute la vie. La réaliser. La réaliser, chérie. Oh, 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 oui, Zordi, on s'est dit oui. Pour toute la vie, oui, pour toute la vie. La réaliser. Eh bien, nous, on est là toujours, toujours, et la nuit commence à tomber ici même, bassin, la boue avec, dans sa tombée, tout ce qui va avec, c'est-à-dire un petit peu de moustique, un petit peu des cris des crapauds au fond, bien les chevaux en bas, et qui font un petit peu de bruit, hein, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Calix est là avec nous, et que Julie aussi est là avec nous, là-bas, en régie, hein, Méta, hein, oui, fait travailler aux autres un après-midi, hein, oui, ouais, voilà. Ouais, 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 hein. Ici, c'est pas seulement des émissions de cuisine où tout le monde a l'impression de croire
qu'on s'amuse tous les jours, mais nous travaillons aussi un petit peu. Hein, voilà. À déplacer les lumières, faire ce nouveau décor. Ce petit nouveau décor, improvisé. Incroyable, super. Voilà, ben c'est ça Canal Austral, toute cette improvisation qui font le charme de la télé de Canal Austral. En tout cas, nous les contents d'avoir Raoult dans cette émission. Nous a discuté pendant un beau bout de temps. Nous arrivons à la fin, dernière période de cette émission. On nous parle de périodes, là. On a vu que dans nos émissions, on a point des temps, on a des périodes. Hein, alors que dans la musique, on a des temps. C'est vrai. Subtil. Et dans cette dernière période, là, nous ça parle un petit peu de futur, ce qu'on envisageait de faire pour la musique, puisque tout à l'heure, on m'a dit qu'on a eu un petit stand-by de 2 ans pour raison familiale, bien entendu, mais là, que les parties de plus belle, avec ces 2 chansons qui est sur la route, que l'un que nous vient de faire, là, actuellement, c'est la réaliser. Oui. Et puis ça, tout à l'heure, nous l'a fait Samiem, dans lequel aussi il y a un clip, Samiem, que nous aurons l'occasion de voir tout de suite après l'émission. Là, hein. Mais là, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais qu'on vous dise moi un petit peu, c'est que est-ce qu'on a vraiment des projets pour l'avenir dans la musique comme ça, ou ça pas commence à mettre à vous encore un stand-by, hein? Pas de stand-by, plus de stand-by. Plus de stand-by. Voilà. Ouais, effectivement, pendant ces 2 ans-là, déjà, beaucoup de gens t'es demandé à moi alors que ça l'a fait méta, ou l'a arrêté, ou chante plus, ne voit plus où, que l'arrivée. Donc. Et donc, en fait, c'est pour faire le lien sur la réponse, c'est que ces gens-là, c'est ça qui donne à moi la force. En tout cas, ils pensent que c'est ça qui donne à un artiste la force. C'est ce soutien qu'on est là, c'est ce soutien infaillible des gens que les Lapoou, que les... Il rappelle, hein, comme il fait des prestations, cette fois-ci publiques, comme il annonce mes dates à telle fête, que ce soit dans le sud, que ce soit dans l'est, que ce soit à Sillaos, par exemple, ben, on revoit les mêmes têtes. C'est que des gens, vraiment, ils suivent. Et c'est ces gens-là, ils donnent à moi la force. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils donnent à moi toujours cette force-là, notamment avec notre soutien sur la chanson Samiem. Et donc, les projets, quand on a cette force-là, ils donnent à moi envie de continuer, ils donnent à moi envie de toujours de donner le meilleur. Donc, moi, on aura d'autres nouveautés, forcément. On aura d'autres nouveautés qui vont venir dans les mois à venir, qu'on aura d'autres Sega, les en cours. Toujours dans le Sega, toujours dans justement, le dans l'ambiance. Justement, la question que vous les posez dans cette nouvelle période et dernière période, c'est est-ce que Meta va rester forcément dans ce Sega Love là, ou bien il va avoir aussi des petits métards un petit peu sur du Sega, du reggae ou du Sega piqué, ou pourquoi pas des slow, parce que des slow, nous les en manque. Hein, Jean-Pierre Boyer, à part lui, coucou Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. qui fait plaisir à nous avec des slow, mais il n'y a plus beaucoup de monde qui font des slow aussi. Oui, est-ce que Meta pourrait aller dans un autre décor ou dans un autre... Cette question-là, c'est la réponse, c'est que Miva reste toujours dans le Sega toujours ambiancé. Peut-être un peu moins love, peut-être Miva reste toujours dans l'ambiancé. Le prochain, en tout cas, ce sera un Sega à l'ambiance, c'est sûr. Ouais. Et après, Miva projette de faire un Sega, plutôt malogué, parce que moi, j'ai toujours été fan de Naïseye, Manu, tu sais, à la belle époque, du malogué, tout ça. Ouais. Mmh. Donc, malogué, et peut-être un petit zoukchiré. Peut-être. Écrit par Chelsea, pourquoi pas, parce que les affaires sont déjà faites, il suffit juste que m'y trouve la parole, mettre dessus, et... Parce peut-être. Que forcément, quand on nous parle de Meta, on nous parle toujours de Chelsea. Oui, Ouais. Mais bon, les gens qui regardent, nous et qui connaissent Meta, connaissent forcément Chelsea ou de frère. Parce que Oul a été connu avec du Sega Love, alors bien que sûr. Chelsea a été connu avec du Zouk. Oui. Exact. Avec du zouk hein. Love. Ouais. Et donc ouais. Forcément, on a quelques traces qui restent, et ces traces-là. Bien sûr. Et ben, si Chelsea ne chante pas, c'est forcément Oul va chanter. Oui, voilà. Complètement. Et c'est vrai que m'y parle souvent de lui, et m'y parlera toujours souvent de lui, parce qu'aujourd'hui, si moi elle est là, et si moi elle est là, sur Canal Austral, c'est surtout grâce à lui. Donc c'est pour ça que m'y parle souvent de lui. Après, la famille c'est sacré, bien sûr. On dit, la famille c'est sacré. Et c'est pour ça, dans le clip que Zod va voir dans un instant, Samiem, notre de lui, il est dedans. T'es l'occasion de marquer le coup, pour marquer le retour de Meta.
et de mettre Jay-Z dedans, et c'est pour ça que lui joue avec moi dans ce clip-là. Quoi. Voilà. D'accord. Ben, ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir tout de suite le clip. Mais avant, un petit remerciement, comme c'est de coutume ici dans l'émission Cause pour nous, à des personnes qui aident là-haut tous les jours, à des personnes qui acceptent de supporter quand oui. même oui, 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 oui. ce qu'on fait. Hein, parce que quand on est chanteur, on a aussi des sacrifices. Oui, hein, oui, complètement. Et ces sacrifices-là, forcément, déplaient à telle ou telle personne que peut-être qu'il fait avec par amour ou bien qu'il fait avec aussi parce qu'il aime aussi ce qu'on fait. Alors, c'est bien peut-être sûr. L'occasion, là, la caméra est un petit peu éloignée, hein, là-bas, au fond, c'est là-bas. Dans le carreau de bois, là-bas, c'est un pied longani. C'est ça, là-bas, c'est ça. C'est un pied longani. Calix, avec une caméra, c'est un pied longani. C'est incroyable, le fond, Néna. Oui. Oh là là, c'est vraiment très naturel et c'est vraiment le cadre. Ben, un gros remerciement à tous les gens qui soutiennent moi. Un gros remerciement, encore une fois, à Jay-Z. Un gros remerciement à la famille, parce que ça, c'est important qu'on a la famille des Ayer. Comme on dit, hein, ils supportent. Tout ça, etc. Donc, on a quelques sacrifices à faire. Un gros remerciement, pardon, aussi, ben, Jean-Claude connaît, moi, toujours Diao, hein. L'accueil, il est toujours aussi positif et toujours, moi, il me sent super bien à chaque fois qu'il vient à Canal Austral. L'accueil n'a pas changé, les tops, même s'il y a un nouveau décor, le décor, il est là, l'ambiance est là et l'accueil est très, très, très chaleureux. Et merci encore pour ce que vous faites et merci encore pour ce que vous faites pour moi et pour les artistes de l'océan Indien. Ça, c'est important. Et surtout, ben, à mon public, aux gens, même pas trop dit fan, moi. Fan, pour moi, il fait trop, mais aux gens qui soutiennent moi, ça te va reconnaître à Zot parce que m'y connaît Zot, les là, Zot, on est en train de regarder la télé. Merci infiniment. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être un numéro de téléphone ou un lien Facebook qui permet aux gens qui regardent à nous d'avoir Meta dans notre soirée, peut-être, non ? Alors, sur Facebook, Néna a un compte Meta Chanteur et Néna a la page Meta Chanteur officielle. Donc les deux, là-dessus, tu peux contacter à moi en direct. Sinon, pour les moins timides, c'est ça, on dit comme oui, ça. Les moins timides, alors mon numéro de téléphone, 06 92 82 56 20. 06 92 82 56 20. Mais compte Isote, appelle à moi. Ça, c'est moi. Ok, Meta, merci beaucoup. Merci encore, Jean-Claude. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Merci. Nous étions dans une émission qui s'appelle Cause pour nous. Nous la causer un petit peu aujourd'hui. Nous remercions Calix qui était à la technique. Oui, aujourd'hui. Calix. Ouais. Voilà. Et puis Julie qui était là-bas au studio dans la petite cabine, merci, là-bas à la régie. Et donc, nous retrouvons une prochaine fois alors. À la prochaine, avec plaisir. Allez, bon, ben nous aussi, nous retrouvons comme d'habitude la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous, toujours sur Canal Austral. Allez, à bientôt.